suis Clotilde Papineau, bienvenue à la librairie Le Vrai Lieu à Gradignan. Voici Marion avec qui on a repris la librairie il y a quelques mois. Bonjour. La librairie existe depuis 40 ans et nous l'avons repris à l'été 2021 pour continuer à la faire vivre. Nous sommes une librairie généraliste avec une offre aussi dédiée aux enfants, à la BD qu'on adore et aussi de la belle papeterie. On s'est rencontrés avec Clotilde à la librairie Gallimard, boulevard Raspail, où on travaillait toutes les deux et où on a été collègues pendant 4 ans. Et on vient toutes les deux du Sud-Ouest. On a décidé de se lancer dans une nouvelle aventure professionnelle toutes les deux et de reprendre cette belle librairie pour faire un travail qui nous ressemble. J'ai décidé de vous parler de mon grand coup de cœur, Être à sa place, de Claire Marin, paru aux éditions de l'Observatoire. Une invitation philosophique à réfléchir à notre place dans le monde. S'inventer une place. On a tous déjà volé dans la vie des autres des fragments d'une existence qui n'était pas la nôtre. On a cherché et expérimenté chez nos cousins, nos amis, d'autres manières de vivre, des formes d'affection inconnues. Ces mélodies inédites qui donnent une autre tonalité au quotidien. On emprunte d'autres habitudes d'être, un peu comme des costumes étranges, des déguisements ou des tenues d'apparat. On joue le rôle d'un autre, on prend sa place pour quelques heures ou quelques instants. Mais dans cette fiction, dans ce « let's pretend », on comble par procuration les creux de notre enfance. Claire Marin nous aide à réfléchir notre place dans le monde, que ce soit au travail, dans notre famille, dans notre vie, à quel moment on change, à quel moment on a envie d'autre chose. Elle a ce brio et ce talent extraordinaire de nous ramener à chacun, à toutes nos expériences du quotidien. C'est être au travail, c'est être dans une famille, c'est être avec des amis, c'est toutes ces questions qu'on se pose et qu'on ne savait pas forcément retrouver en philosophie, mais qu'on découvre par les romans et par le quotidien. C'est une lecture très agréable et très surprenante qui est aussi émouvante par beaucoup d'aspects. Comment penser tous les bouleversements de notre vie, comment on se lie aux autres et comment on se lie à soi-même. Je me suis retrouvée dans beaucoup de chapitres de ce livre, dont un surtout consacré au vrai lieu, qui est le nom qu'on avait décidé de donner à notre librairie avec Marion, mais aussi sur tous les chapitres d'envie de changer de vie, de voyager, qu'est-ce que c'est de tout d'un coup changer de direction dans sa vie, trouver sa place, en changer, s'en approprier d'autres, laisser de la place aux autres aussi dans sa vie. C'était des miroirs face à moi-même. Finalement, la statue qui est juste à côté de vous, là, elle symbolise plutôt bien sur le visage les sentiments qui peuvent être décrits dans le livre, non ? C'est ça, c'est beaucoup de sensibilité, beaucoup de surprise et d'étonnement à être en vie ici, à changer de place, à avoir cette vie mouvante et toujours pleine de surprises.